Petit disclaimer très rapide, je tiens vraiment à être sincère avec vous. Ce projet de fin d'année qui me tient énormément à cœur a eu pas mal de soucis techniques. Ça a été un enfer au montage vu le monstre qu'est cette vidéo. C'est un projet que j'ai tenu à faire de mes propres moyens, de A à Z. Donc forcément, on a dû faire face à quelques mésaventures. On a compris la leçon et on saura mieux comment s'y prendre pour les prochains épisodes s'il y en a. J'espère vraiment que tout ça n'altérera pas votre plaisir en espérant que vous n'y verrez que du feu. Parce que cette vidéo reste quand même incroyable. Je vous spoil pas, je vous laisse avec la vidéo. Et merci encore pour votre patience, vous êtes les boss. Les gars, je suis grave content, on est là enfin, ça y est, on y est. Le premier épisode de Clash Room, vous l'attendiez après le phénomène, la grosse bête, le Battle 4. Aujourd'hui, ça y est, on l'a fait, je vous l'avais promis, on a un super public. Les gars, applaudissez-vous s'il vous plaît. Oui. Voilà. Je suis très content, tout le monde a répondu présent. Aujourd'hui, on est avec un casting de qualité. On l'appelle le GOAT. Monsieur fait de la musique, on le voit souvent sur Twitter. C'est la surprise. Il fait partie des surprises aujourd'hui. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Kinda Sama, s'il vous plaît. Est-ce que je vois, dangereux. Tu m'as présenté? Ouais, ça y est, je t'ai présenté. Kinda, petite promo. Voilà, voilà, t'as sorti un petit son. C'est la caméra là-bas que je dois regarder? Ouais, si tu veux, voilà. si tu veux regarder là, ici aussi. Ouais. Là aussi, il y a une autre caméra, le GOAT en personne. Là, on est venu à la rencontre abonnée. Donc, comme vous pouvez voir, les gens, ils sont là. On espère aujourd'hui une bonne vidéo. C'est pas meet-up, bâtard. Vous êtes venu pour me voir quand même. Ah, merci, Kinda. Allez, ça fait plaisir. Je m'assois là. Ouais, carrément. Lourd. J'ai choisi au hasard. Vas-y, BG, assis-toi. Les gars, tout sera en description. Kinda qui a sorti un son très récemment avec Evan, le son Masterclass. Je vous laisse vous faire une idée. C'est dans la description. On le surnomme le M. Le mec, il est venu en rouge parce qu'il aime trop, il aime trop suivre mes pas. Mais vas-y, à l'aise, c'est pas grave. Il a perdu Battle 4 aussi. Je voulais aussi en profiter, bien appuyer dessus. Ah oui, oui, non, dans le 3, il a envoyé du lourd. Il fallait que je le remette à sa place. Moby, s'il vous plaît. J'ai entendu, j'ai perdu Battle 4, mais bon, les gars, j'ai gagné le 3, donc c'est pas grave. T'inquiète, de toute façon... Je vais pas t'entendre. Moby... Mais t'assois ! Mais c'est pas possible, il est dissipé, cet enfant. Nous allons passer au suivant. Le mec, il est venu contourer. Depuis que maintenant, YouTube, tout ça, les réseaux, ça fonctionne, monsieur ne peut plus se permettre. Il est tout le temps avec les contours à l'ancienne, là, carrément, ça roule là-bas. Il a fait sensation au Battle 3, il a fait sensation au 4. Aujourd'hui, peut-être Clash Room, il va encore être le GOAT, on sait pas. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Evan. Evan. Hey. Si elle m'aime pas, je lui mets un coup de marqueur. La tira au tableau. Switch, c'était tout à l'heure. J'ai que des stylos dans mon sac à dos. Elle m'a donné grand chose. Pour la peine, c'est toi qui vas présenter le prochain. Ah ouais? Oh ouais, tu mérites. Cet homme est très beau, il est très petit et très fort. Monsieur propre, s'il vous plaît. Cette merde là! On a guillé de nos maillots! C'est quoi ça? Un tonnerre d'applaudissements pour Chef! La meuf de chef, bon, moi c'est fait. C'est bon là! Les fesses de ta meuf sont plus connues que toi, wesh! Ouais, merci. Bon, aujourd'hui, on va pas l'appeler Polska. On va pas l'appeler Polska, on va l'appeler maîtresse. Oui, je sais, c'est pas grave. Au point où on en est, tout le monde le sait maintenant. On va l'appeler maîtresse pour la faire rentrer, d'accord? Elle est pas au courant. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Polska, la maîtresse.
bah du coup, Polska. Bah mais enlève ton sac. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis à l'aise. Oh, oh. Espèce de faillot. Toi, t'es mortel ou t'es dans mon équipe en plus? Tu changes, hein, devant les maîtresses. Ouais, t'as changé, hein. Evan. Oh. Bah, je suis très content d'avoir Polska en tant que prof. T'as fait le deck. Ouais. Le choix a été vite fait en plus. Hein. C'est la sauce qui t'attend, mon gars. Oh, c'est la sauce. Écoutez, je suis en couple, laissez-moi tranquille. Ça y est, ok. Polska qui fera office du prof tout le long. Vous calmez, prendre vos carnets de correspondance si vous êtes un peu trop dissipé. Bon, il a ! Non, je rigole. Tu vois, ça, c'est conseil de discipline direct. Voici les équipes. D'un côté, Kinda, Evan et Moby. Ouais, applaudissez bien, ouais. Comment on s'appelle, du coup? Bah, trouvez-vous votre J'ai nom. J'ai trouvé un blast, c'est bon. Vas-y. Kinda et les autres. C'est bon, quand même. Ouais. Kinda et les autres. Non, on ne garde pas les ça. Kinder, non. Voilà. Ouais, lourd. Non, c'est claqué, ça. Allez, les Kinder pour l'instant. Et d'un autre côté, Chess, Totoche et moi. Vous vous appelez comment? On va trouver. On va pas perdre plus de temps, on va ça passer. Les petits pas de devant. Gas, gas. Petits pas derrière. Alors, la première manche, elle s'appelle Pardon Madame. Donc, chaque participant en retard devra rentrer et faire un freestyle sur la prod de leur choix en m'expliquant pourquoi il est en retard. Et après, on verra s'il y aura des conséquences. Entrez ! Please come in. Oh, le nouveau, ouais. Désolé, madame, excusez-moi. Non, bonjour, ça va, bonjour. C'est moi, désolé. C'est ouais, salut. Allez, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Pardon, madame, je suis retardataire. Une dinguerie qui m'est arrivée hier. Alexis Texas, Lisa Anne Katsuni. Les trois à la suite, j'ai fini par terre. Je suis pas sûr que vous voyez de quoi je parle, mais vous avec eux, c'est sûr, ça fait la paire. Et d'ailleurs, vu la paire que vous avez, je sais pas comment je vais faire pour me concentrer. En plus de ça, j'ai fait deux spits tellement, j'ai même oublié de prendre mon sac. Mon sac. Remets, non, t'inquiète, celle-là, je l'ai. Pardon madame, je suis retardataire. Une dinguerie qui m'est arrivée hier. Alexis Texas, Lisa Anne Katsuni. Les trois à la suite, j'ai fini par terre. Je suis pas sûr que vous voyez de quoi je parle, mais vous avec eux, c'est sûr, ça fait la paire. Et d'ailleurs, vu la paire que vous avez, je sais pas comment je vais faire pour me concentrer. En plus de ça, j'ai fait deux spits tellement, j'ai même oublié de prendre mon sac. J'entends le conseil de discipline, j'attends qu'il va oser sortir mon blaze. Je suis en retard, sauf faut pas se fâcher. Celui qui me vire, je vais le baffer. En plus de ça, il manque Moby et Van. Pourquoi c'est moi qu'on vient faire chier? Un tonnerre d'applaudissements pour Kinda. Yo. Vous allez, je suis en retard, madame. C'est mon père. Pardon madame, si tu es en retard. J'ai vu une go, elle a vu un giga pétard. Je l'ai vu, j'ai crié. Cocorico, accent latino. Je crois qu'elle vient du Costa Rica. Je l'invite à McDo, boire un verre d'eau, t'es malade, t'as Yura. Je dépense pas mes dideros. T'as genre. Non. Faut que je la fasse en entier. Pardon madame, si tu es en retard. Y'a Vingo, elle avait un giga pétard. Je l'ai vu, j'ai crié. Cocorico, accent latino. Je crois qu'elle vient du Costa Rica. T'invite au McDo, boire un verre d'eau. T'es malade, t'as du rat. Putain, je dépense à mes dineros. Un trait de clochard, dit que je suis pas taille. J'ai même pas dit E pour m'acheter un pas taille. Putain, les gars, fin du monologue. Elle m'a brisé le cœur, je crois que j'ai besoin d'un psychologue. Ouais, c'est qui lui? Il habite tout en rouge et tout, il est bizarre lui. Pardon madame pour le retard. Non vraiment, je suis désolé. Madame, vous êtes hyper désolé. Allez, s'il te plaît. C'est Moby, c'est qui? C'est Moby, c'est qui? C'est Moby, c'est qui? Pardon madame, excusez-moi de mon retard. Si je vous dis l'histoire, vous allez pas me croire. Il est vrai que hier je suis rentré tard, mais c'est pas ça la cause de... Ah.
Ok. C'est qui? C'est Moby. C'est qui? C'est Moby. C'est qui? C'est Moby. C'est qui? C'est Moby. Pardon madame, excusez-moi de mon retard. Si je vous dis l'histoire, vous allez pas me croire. Il est vrai que hier je suis rentré tard, mais ce n'est pas ça la cause de mon retard. Je me réveille, je vois que j'ai la barre une heure plus tard. Bizarrement, j'ai toujours la barre. Je me dis qu'est-ce que c'est que cette histoire. Je me rappelle que mon pote m'a fait prendre du Viagra. Je vous jure que au début je savais pas, mais bon, j'essaie de régler cette histoire. Je fais toutes les techniques insolites, genre de me la taper contre les bords de mon couloir. Autant aller comme ça. Du coup, je m'apprête et je sors de chez moi. J'essaie de courir le plus vite possible, mais c'est dur d'aller vite avec la barre. Eh, juré les gars, depuis tout à l'heure, on se fait laver. Elle a vu, on se fait laver, wesh. Mais vous êtes douteux? Mais attendez, vous êtes douteux ou vous laissez la prof tranquille, wesh? Entrez! Yes, sir. Yo! Allez, s'il te plaît, Totoche, fais-nous gagner. Pardon, madame, je suis en retard car hier j'ai trop joué. Depuis petit, la manette, c'est mon jouet. Je suis pas timide, ça, je veux bien l'avouer. Je travaille pas, trop de factures. Ils ont dit qu'ils allaient me couper. NJ, camarades, ils sont là, servent à rien comme des PNJ. Spécialiste du corps bronze. Viens pas sur le fut, légendaire et mon 11. Dans mes morts, le couteau comme son bronze. Moi, j'ai fini que en platine, pas de bronze. Fuck l'école. Au lycée que des heures de coche, j'ai envie de jouer sur mon siège ça colle. Ma mère mon fils, la manette ça folle. Dans le N, j'ai demandé la PS5 mais j'ai eu la 4. Plus heureux devant mon écran que devant une feuille. Écran c'est de ma vie, jamais je m'arrête. J'ai des jeux sur mon tel, j'en ai 6 ou 7. Mais ma voiture je joue, ça part en sucette. Ma voiture se retourne, pas de clip reset. Tu veux te battre IRM sur Street Fighter? Street Fighter. Fuck PH, je me cognette sur Tomb Raider. Il vient de dire un truc de ouf là. Wesh. Je la prends de haut, je tape ses ballons comme si je lui fais un ceiling. Devant l'ego que je bégaye, j'ai trop de bling. J'appuie sur le 3 sur GT à la nuit pour faire monter l'ego dans la bouffe get son legging. Il est grave beau, ouais, c'est lui le nouveau. Wesh, il a les yeux bleus. Wesh, il est pas soumis comme ça. Avec des bas de loup. Désolé, madame. Les contours et tout ça. Bonjour, madame, désolé de mon retard. J'ai fini mes devoirs, il était tard. 10 minutes que je suis à l'entrée. La photo ne voulait pas me laisser rentrer. J'ai mon sac, ma feuille et mes cahiers. Laissez-moi rentrer, il commence à cailler. Madame, s'il te plaît, je vous mon devoir. Dites-moi s'il vous plaît. Je vous demande juste cette petite faveur de m'accepter aujourd'hui. Je reste à la fin de l'heure. Vous voyez ce que je veux dire. J'arrive le dernier comme d'habitude. C'est le meilleur pour la fin. Regardez ma petite attitude, s'il vous plaît. Je me suis levé tôt le matin. Prêtre. Pour ma part, c'est une autre partie du son. C'est-à-dire, en gros, la première partie, on peut garder quand même. Ouais, c'est ça. Oui, 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 oui. Tu reprends après. Tu reprends après. Il reste beaucoup de phrases. Non, ouais, il me reste. Tu veux là ouais. Tu veux... Est-ce que tu veux. Non, je peux. Je suis pas obligé de reprendre. Ok, vas-y, let's go. Prêt à travailler, je suis résolu. Regardez ma tête, j'ai pris des résolutions. Donnez-moi la permission. C'est en cours pour que nous révisions. Madame, I'm sorry, je suis bilingue. Je vous le dirai en toutes les langues. En plus, je suis trop énergique. Ce matin, j'ai bu du jus de mangue. Vous êtes bizarre à avoir la ref de ça. Vous êtes bizarre à avoir la ref de ça. Moi, je vous dis que vous êtes chelou. T'es bizarre, toi. La vie check pas, la vie check pas, la vie check pas. S'il te plaît. Ah, merde. Hey, le gagnant. Simi. Pas Miller, c'est pas le Miller. Madame, je suis désolé. Dame foi. Pardon, madame, vraiment désolé. Hein. Pardon madame pour mon retard, laisse-moi t'amadouer avec mon regard hein. Aujourd'hui madame vous êtes toute fraîche, j'espère que le compliment n'arrive pas trop tard yeah. J'ai toujours suivi les consignes, mettez pas de mots dans le carnet pour que mon père signe. Vous-même vous savez chez moi c'est les coups de fouet, je pense qu'on peut s'arranger, tout ça c'est un signe hein. Je connais toujours pas la table de 4 parce que... Ah 1
Pardon madame pour mon retard, laisse-moi t'amadouer avec mon regard hein. Aujourd'hui m'da vous est toute fraîche, j'espère que le compliment n'arrive pas trop tard yeah. J'ai toujours suivi les consignes, mettez pas de mots dans le carnet pour que mon père signe. Vous-même vous savez chez moi c'est les coups de fouet, je pense qu'on peut s'arranger, tout ça c'est un signe hein. Je connais toujours pas ma table de 4, par contre avec vous je veux bien un plan à 3. Madame je vous promets c'est une punch vient de d'ailleurs je peux vous dégoter quelques potins. Devant maison je l'ai fait tout seul, il mérite tout ça par un la note de 1. Il rêve de vous en lounge underwear et piqué un petit somme sur vos deux gros seins. Tellement il y a le battle à la fin, la tête dehors maintenant, Kinda, je vais te laver. Alors mes élèves, vous avez donné quelle note à Kinda? 7 sur 10. C'est bien, c'est un bon 14 ouais. Je suis choqué. Hey, argumentation. Alors pourquoi 6 et levez la main s'il vous plaît. Il a beaucoup recommencé, il a eu beaucoup de mal avec ce texte. Maintenant il y avait quand même un peu de flow, un peu, enfin l'instru était cool et tout, donc voilà 6, c'est la moyenne. Il a progressé à la mort. En plus t'as progressé, tout le monde est d'accord pour dire ça. Moi, applaudissements sur 7. Franchement ça fait du bien au moral parce qu'après battle de Warcraft, franchement j'en ai pris un gros coup, j'en avais coup sur la patate. Pour Moby, vous a donné quelle note? 6. Quand c'est que lui la 6 avec tout ce qu'on vient de dire et lui la 6 aussi, qu'est-ce qui les rallie les deux? Je comprends pas. Après c'est question de flow. C'est ce que tu vas dégager aussi. Donc pour vous lui il a plus de flow que lui, mais lui comme il a mais moi objectivement j'ai kiffé ce que Chess il a fait. Il a commencé deux fois je crois. Ouais mais en fait faut le titre de voilà. Chess il avait un contenu. Ouais de ouf. Après, moi j'ai envie de dire un truc, c'est eux qui notent. Ouais, c'est eux qui notent en vrai. Donc en vrai, vas-y, passons, parce que après on va débattre trop longtemps. Pour Totoche, c'est quoi la note? Et pourquoi 7? Il avait un bon débit, il a recommencé 3 fois, mais une fois c'était à cause de nous, parce qu'on faisait, on l'a dérangé tout ça. Franchement, le texte était bon, les pochettes elles étaient bonnes et tout, et cool. Franchement, moi tout ce que je retiens depuis tout à l'heure, c'est que c'est les meufs qui ont des arguments beaucoup plus concrets que les mecs. Ouais, je rigole, wesh. Wesh, je te défends et tu me dis Bélec, on enlève des points, wesh. Pour Evan, c'est quoi la note? 7. Ah, parce que si on compte pas les chocs et tout, en vrai, il avait un flot de bâtard. Ouais. On l'a noté aussi pour ses yeux bleus, t'as vu? Wesh. Ouais, regarde. Aucune objectivité. Oh, je suis mort. Donc, pour finir, Loni. Effectivement, c'était le meilleur freestyle, hein. Il avait le meilleur flow, les meilleurs punch. On n'est pas là pour dire qui était meilleur ou qui était le moins bon. T'avais juste un vraiment bon débit, t'as fait deux fois le truc. Franchement, et le 4, 3, 2, 1, il était technique. Ok, alors pour l'équipe d'ici, je vais donner la note de 9. Car... Alors déjà, Kinda, il a fait sans texte. Donc c'est honorable, voilà. Ensuite, bah, Evan, moi, il a les yeux clairs, quoi. Ouais. Voilà. Ouh. Ensuite, Moby, j'aime bien comment il est habillé. Donc, voilà. C'est mon physique, hein. Donc ça, ouais, c'est bien, ouais. Pour l'autre équipe, je vais donner la note de 8.
Attendez. Attendez. Attendez, je m'explique déjà. Je donne 8 parce que le monsieur ici, Chess, il a répété beaucoup, beaucoup de fois. Toi, je t'aime bien, mais j'ai rien compris. Et toi, t'as relevé le niveau. Donc voilà. C'est cohérent. Bah, du coup, ça nous fait une égalité parfaite pour l'instant. Moi je trouve c'est cohérent, moi je trouve ça va. Donc maintenant qu'on a fini avec la première manche, on va passer à la deuxième et c'est un quiz. Yes sir. Cette manche c'est le quiz, donc il y a 10 questions sur la culture du rap. Aïe aïe aïe, okay. Rap US, rap FR. C'est ça, donc la première question, faut finir la phrase. Ouais, joue. Je t'aime bien mais quand même. Ah! Je t'aime bien, mais quand même! Cuisine! Quoi faire? Je t'aime bien, mais quand même! Ah, attends, y'a un mot en trop là! Ça fait des années, Corelsan le refuse le feat. Prof! Non! Il a besoin avant. J'ai besoin avant. C'est Orelsan. Non, attends, j'ai. Mauvaise réponse! C'est Oli! Big Flo et Oli! Il a donné une mauvaise réponse! En fait, regarde! Regarde! Orelsan comme si c'était la réponse! Mais non! Une version française de Rhythm et Flo sortira probablement un jour avec 3 rappeurs en jury, citez-les. Vas-y, Shai, SCH et Niska. Et ça, c'est la bonne réponse. Sérieux, ça va tellement être avec eux, wesh. Ouais, qui fasse avec nous. Rhythm et Flow, prenez-nous. Vous êtes d'accord avec moi, wesh? Non, ça va être... Non, Shai, elle va se mettre. Un peu fort, wesh. Hé, qui paye le resto à la fin, wesh? Ok, allez. Troisième question. Booba et Ali ont formé un duo. Quel était son nom? Lunatique. Exactement. Bah oui. Ouais. Bon. Bah oui. C'est la bonne réponse. Bah, c'est Lunatique. Ouais. Je... tu pensais que j'allais avoir la bonne réponse. Ah. Merde. Hey, c'est quoi ce jeu? On n'a pas de réponse. Quatrième question. Quel rappeur a été poursuivi en justice par Éric Zemmour? Mais quand? C'était quand? Ah, c'est vrai. C'est récent? Attends. Il n'y a pas de plus. Comment il s'appelle? Bah, le mec là. Ah putain, son blaze. Mais si, même moi je sais, oui. Ah, j'ai pas son blaze déjà. C'est, attends, mais c'était il y a longtemps, wesh. C'est Youssoupha. C'est Youssoupha. Il y a pas longtemps, il y a un rappeur qui s'est fait poursuivre. Justement parce qu'il a vidé des trucs. Ah ouais? Il y a Youssoupha, wesh. Il y a plusieurs années. Attends, regardez sur internet. Regardez sur internet, la putain de merde. Regardez sur internet, s'il vous plaît. Non, mais je l'ai. On a besoin. C'est Eric Conrad. Non. On a baisé. Merci. Mais répète, dis-le-moi s'il te plaît. Mais sur la tête de l'homme. Merci. Bravo. Ah, c'est Youssoupha. Mais j'étais, bah, en fait, j'étais pas sûr. C'est le public qui l'a embrouillé. Wesh. Mais en fait, j'étais pas sûr. Mais c'est Freeze. C'est elle qui dit ça. Mais dans ce cas-là, on précise de quelle période alors? Parce que c'était il y a longtemps. Alors c'est pas beau. On a déjà buzzé, donc je vais donner la réponse. Je pense que Freeze Corleone, c'est ça la réponse? Je suis pas sûr, c'est ça? Ok, c'est bon. 2-2, allez. L'album de rap français le plus vendu de l'histoire. Non, attends, je l'ai. La film, je... Il a bon, moi. Tu l'as moi. Ouais, je pense que je l'ai. Bah, ça va, t'es sûr? C'est pas fini, Mais est-ce que j'étais né à cette époque? Mais gros, t'es censé le savoir ça? Non. Quel groupe de rap marseillais est l'auteur du tube? Ok, fuck. Réponds. Non. Ok, je continue. C'est nous qui devons répondre d'office. Ok. Du tube, je danse le Mia. Bah, ils connaissent pas. Bah, buzzé. Attends, bah, ça va être buzzé. Ouais, bah, réponds. Buzzé, ouais. Ah, danse, tu sais quoi? C'est quoi? C'est Ayam, wesh. Ouais.
T'as triché toi. Mais non, mais en fait ça m'a choqué. Je me suis dit attends, c'est tellement trop facile que est-ce que c'est. Non j'ai hésité. Ah bah oui putain. Mais je connais même pas Ayam frère, wesh. Qu'est-ce qu'on me raconte de ça wesh. Oh non c'est qui Ayam frère. Oh non wesh. Ouais. Oh non t'as vu. Non mais y'a pas de ref à combat, c'est qui Ayam wesh. Vous êtes où vous. Non mais il rigole. Ouais je rigole wesh. Non non on rigole. Non je rigole wesh, MC Solar tout ça. MC Solar, Gabano, Bouba, Karis. Venons on passe à la suite s'il vous plaît. Mon coquille. Eh j'ai mon coquille. Ok prochaine question, concentrez-vous hein, parce qu'elle est très très dure. Avec quel groupe Maître Gims s'est fait... Avec quel groupe Maître Gims s'est fait... C'est fait connaître, c'est ça la question. Wow. C'est basse. On ne l'a pas entendu. Ah non, je sais déjà la réponse. Attends, mais si je sais déjà la réponse, je peux déjà. Je peux ah oui, déjà oui. La réponse. Mais c'est section d'assaut. Voilà. Fin. Mais dans tous les cas, si je connais déjà la réponse, je peux buzzer. Ah oui, ouais, dans rap jeu, ils font comme ça. Eh, ils ont copié rap jeu. Dans rap jeu, ils font ça. Donc on va faire comme eux. La prof, elle dit à chaque fois qui elle a entendu en premier, c'est tout. Ok, ok. La prof, elle dit okay. C'est eux, comme Mehdi okay. Fait. Déjà, t'es venu en retard, bâtard. Quel est le nom du groupe de Kool Shen et Joey Star? Bah oui. Ok, prochaine question. En 2019, ce groupe de rap a tourné son clip sur la Tour Eiffel. Il a vu. Ok. Ça se connaissait pas à Yam. C'est bon. Avec quel champion du monde de football Jules a-t-il enregistré un morceau en duo? Avec je crois qu'on a pas le droit de dire son blaze à lui hein. Non, c'est censuré. De quoi? C'est censuré je crois. Ah ouais, démonétisation tout ça, ça sent pas bon. Bah, on a le droit de dire son nom ouais, j'ai pas dit. Il a dit, il soutient. Attends, on gagne là pour l'instant. Non, ouais, 5-4. Ah oui, pardon. À l'aise. Maîtresse. Ainsi, a inventé l'afro-trap. Bah ouais, fâché. Mais c'est pas lui qui a inventé ça. Mais c'est un truc de ouf. D'où vient? Qui a créé la question? Oui, non, mais c'est un truc. Attends, en mode, non, mais qui a été le précurseur? C'est lui qui a inventé. C'est une mauvaise question. Mais attends, non, ça c'est de la mauvaise foi. Mais c'est faux. Mais c'est de la mauvaise foi. Mais il a pas inventé. Mais c'est de la mauvaise foi. Ah ouais, MHD, je suis sur tes côtes. Attends, la caméra est sur. Non, mais attends, c'est comme si toi t'avais la réponse de qui a inventé le cloud en France. Mais arrête, à un moment donné. Il a pas inventé, donc la question n'est pas bonne. T'as la réponse de ça? Personne là, mais dans tous les cas, c'est pas la bonne question. Quand tu tapes qui a inventé l'afro-trap, l'artiste MHD, non, c'est ça, Guy. Celui qui a popularisé, mais celui qui a créé ta contraction. Après, c'est ça, oui. Sur internet, dis ce que tu veux. Vas-y. Alors, prochaine question. Qui a dit qu'il a arrêté le rap avant de revenir en 2012? Oh, la queue. Non. En 2012, Dizier, il est en prison, du coup, il reproche. Alpha One. Je sais pas, Lino? Non, ça commence par un K. Karis? Non. Karis criminel? Non, je sais, Kerry James? Oui. Oh, le chien! Lequel de ces rappeurs n'est pas français? Vald, Passy, Redka, Damso? Damso, il est belge. Qui est ce rappeur qui a pris du ferme le 30 septembre? Putain! J'avais! Ah, c'est notre génération, ça! C'est bon. Là, on ne parle pas d'Ayam, de Kerry James. On en parle d'impliquer un peu, là, on va voir qui est qui. Lequel de ces rappeurs ne vient pas d'Île-de-France? Seth et Match, Akhenaton, Gringe, Cablo. Akhenaton, c'est pas un mec de Marseille? Je crois que c'est ça. Hein. Oh putain! 7-7. C'est propre! 7-7 comme le département. Voilà. Ces rappeurs a sorti son 11e album Pacifique en 2017. C'est DC's, là. DC's? Mais t'as dit lequel? Attends, moi! Avant dernière question, quel duo a sorti un film en 2015? Oh! Attends! Non, les gars, s'il vous plaît! De duo là! Comment il s'appelle? Putain! J'ai! Non, mais attends, on n'a pas répondu! Vous êtes de mauvais esprit! Mais c'est qui? Il s'appelle les. On dit le nom du groupe? Aurel San Voilà, c'est ça. Casseur flotteur, Flanson. Ok.
Wesh. La dernière question, c'est qui a été nommé au meilleur artiste en 1994 au Europe Music Awards. Allez, Award. Allez, c'est bon, allez, 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 moi j'ai les preuves. J'ai. Louis XIV. C'est ça. Attends, je vais dire 1998. 1994. T'as vu comment ils sont dissipés? Enfin, de l'épreuve. C'est super. Technique. Bon, un indice, ça commence par un M. Michael Jackson. MC Solar. Attends, c'est Chess qui a répondu, c'est toi qui a buzzé, c'est pas bon. La réponse est à Yann, qui est toi. Yann, tout à l'heure, je fais la réflexion. Oui, mais tu vois, Non, c'est pas J'ai besoin d'une chaise. Y'a pas de chaise. Ah, ah, ah. Le mec qui prend des décisions. Christian Grey. De toute façon, il l'aurait cassé. Oh, le bat. Je continue. Ouais, parce que la chaise est pas solide. Ça va, tu vas bien? Ça va, toi? Enchanté, je m'appelle Kinda. Tu me connais déjà, j'imagine. Je t'ai fait un petit poème. Ça vous dérange pas, je peux le lire? Tranquillement, je peux le lire. Ça te dérange pas? Ok. Maîtresse. J'aimerais m'adresser à vous, votre Altesse. Douceur, prudence, la beauté d'une déesse. Je ne parlerai pas de vos fesses ou celle de la meuf de Chesse. Je serai votre Booba, vous serez ma maesse. Ne vous inquiétez guère avec moi, personne ne vous fera du mal. Je serai toujours avec vous, avec ou sans OnlyFans. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Comment vous vous appelez? Polska. Polska, enchanté. Moi c'est Loni. Enchanté. Vous êtes ravisante ce soir. Merci. J'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup la manière dont vous avez porté votre chemise. Je suis aujourd'hui ici dans le speed dating. Attendez, excusez-moi. Allô? Ouais. Non, t'inquiète, je suis sur le chemin. Attends, c'est ma meuf, vite fait. Attends. Attends. Vous allez bien? Ça va et toi? Vous êtes incroyablement belle, madame. Merci, je sais. J'ai un poème pour vous. J'ai intitulé Paul Scamobi. T'es ma Hancock, je suis ton Luffy. Oh. Tous les soirs, tu me demandes ma coque quand on est au lit. Tu seras mon verre d'alcool, moi ma Polovski. Oh. Tu seras ma Ballon d'Or et je serai ton Lewandowski. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Il a serré la main. Enchanté, Chess. Enchanté, Polska. On peut se tutoyer? Oui, bien sûr. Parfait. Tu fais quoi dans la vie? Dans la vie, je suis prof et toi? Moi, je suis dans mes débuts dans le rap. Ah ouais? Ouais. J'aime bien les rappeurs. Les gars et tout. Ouais, t'aimes bien ça? Ouais. T'as déjà été proche du showbiz, etc. Ouais, j'ai déjà été proche du showbiz, des rappeurs et tout. Ah bah tu sais quoi, c'est cool parce qu'en plus, dans quelques semaines, j'ai une tournée qui se prépare. Tu pourras me tourner On verra ça le moment venu, tu vois. D'accord, oui, c'est vrai. Mais sinon, j'avais une question. Je vois que... Enfin, t'as quel âge d'ailleurs? 21 et toi? Ok, moi j'ai 27. Ah. Ça te va? Ça, ouais, ça va, ça va. Les mecs plus jeunes, plus vieux. Les deux. Oh, intéressant. Intéressant. Ok. Je suis dans le vif du sujet, hein, parce que tu vois, moi j'ai 27 ans. Même si voilà, j'ai envie de profiter de la vie, j'aimerais bien savoir où est-ce que... j'aimerais bien savoir est-ce que, où aller, tu vois, si on va dans la même direction. Du coup, j'aimerais savoir si t'aimes les enfants.
Tu aimes les enfants? Non, j'aime juste, juste savoir si t'aimes les enfants, si t'as un bon feeling avec les enfants, voilà si... Ça va, ouais, j'aime les enfants, ouais. Okay. Du coup, ça va, t'es à l'aise avec les enfants? Ça va, ouais. Pourquoi? Ok, c'est cool, parce que du coup, là, je dois aller voir ma meuf. Si tu peux les garder... J'arrive. Et le petit prend le biberon à 18h. Le biberon, c'est à 18h. Monsieur Van, il veut quoi? Bonjour. Tu fais quoi? Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Ça va et vous? On m'a dit que l'amour est aveugle, donc... Ah ouais, j'ai retrouvé la vue, donc. Wesh, Covid, wesh. Je vais pas passer par 3000 chemins. J'ai fait un petit poème. Oh! Damn! Je peux me lever? Bien sûr. Polska? Polska. Comment il connaît déjà son nom? Polska accroît à toi comme un alcoolique à la vodka. Oh! Des lèvres pulpeuses comme l'orange dans l'orangina. Damn! Quand je te vois, je me sens comme Daredevil parce que l'amour rend aveugle. Mm-hmm. Ooh. Je t'ai vu sur les réseaux, j'ai vu que c'était pas easy. Mm-hmm. Mm-hmm. T'as v'là les belles photos, tu fais durcir mon... Ok, donc les notes pour le speed dating, vous avez pensé quoi de la prestation de Loni? Moi, j'ai mis la note de 1. Okay. Donc 1, voilà, parce que pour ta participation, voilà, mais sinon 1. Bah longue vie avec ta meuf, et 1. Longue vie à Disha. Mobi. On a mis 8. Oh, et Mobi. C'est mobile. Moi, je vais te donner un 10. Rien à dire. Du coup, Chase, vous avez pensé quoi? Quelle note? 9. Oh non, je suis d'accord. Ah ouais. C'est incroyable. Moi, j'ai mis 0. Je suis pas babysitter. Non, j'aime bien la réponse. Mais si on part dans ce sens-là, ça veut dire nous. Mais alors, non, la vie de ma mère, ça a joué comme ça. C'est bien. C'est vrai, un restaurant de luxe. Vas-y, ça fait 56 pour vous, 55 pour vous. Evan, vous avez mis, c'est toi, quelle note? 18. Wouh! Alors, on va voir la réponse. Ok, alors ma note, c'est 2, et t'es pas pareil en privé. Hein. Donc, Totoche, vous en avez pensé quoi? Quelle note? Ma vie 7. 7. Oh! C'est vrai que c'était bien, mais... Ouais, mais...
En fait, genre, c'était... T'as parlé un peu de ton kiki à un moment donné. C'est un peu chelou. Et aussi... Parce que quand on écoute le poème au début, c'est vraiment... T'as eu un sens gentil, bienveillant et tout. Ouais, après, le poème était aussi un peu court, bah, comme ton... Ouais, mais dans ce cas, alors. Mais dans ce cas, alors. Oh, le scandale. Oh, le scandale. Non, mais je reviens à l'aise. Attends, à l'aise, à l'aise. Du coup, la note. Wesh. La note. Tout ce qui est petit et mignon, wesh. Ouais. Allez, allez, 6. 6. Ouais. Ouais. Vous avez trop combien? Ok, donc, Kinda, vous avez en pensé quoi? Quelle note? On a 8. On avait 17. On avait 17. 7, 7, 7. On avait 17. Mais de base. Moi j'ai bien aimé, donc rien à dire. Surtout la fin, c'était sympa. Mais je vais pas te mettre 10, comme à Wobby, je vais te mettre 9 parce que bah, toi je connais déjà et je connais pas. Okay. Du coup, 84 pour l'équipe d'à côté et 69 pour nous. Va falloir tout envoyer au freestyle. Les gars, là maintenant, on est parti pour le battle. C'est le moment que tout le monde attend depuis le début. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Evan a choisi Chess pour cible. Oh hey, 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 mon gars, let's fucking go. Chess, encore toi, ça fait 3 fois que je te la mets. J'en ai marre de te vanner, mais cette fois-ci, je suis obligé. À ta copine, je mets des corrections. Elle me dit que je suis un professeur. Te laver, ça c'est ma mission. Je vais te montrer qui est le supérieur. Je suis un mec bien, donc y'a qu'au lit que je parle derrière son dos. Douceur aquatique, pour ça qu'elle a le dauphin. Quand c'est fini, elle part au dodo. Hein. C'est la copine HS, après 2 rounds elle finit HS. Comme d'hab sur ce battle je te chasse. Sur le top 3 t'as jamais ta place. Ta copine parle beaucoup mon gars, y'a pas qu'au musée qu'elle l'ouvre. Bobidi Babidi Bou, avec ma baguette et tes 2 jambes s'ouvrent. Ah c'est méchant ça, il a rien vu entendu de tout ça. Il me dit Evan bébé je veux te larsa. Il espère qu'elle dise non j'ai un gars. Eh hey, Chess, je rigole t'es mon gars. Je dis pas ça parce que t'as des gros bras. Je pense que t'as compris que sur ce battle je t'ai fini. Ouais, ça va, ouais, c'est bon. Ouais. Regarde comment t'es fort, wesh. Yeah, yeah. Yeah. T'arrêtes l'école pour faire des TikTok. Mon gars, t'es toqué. Si t'étais un Pokémon, bâtard, tu serais culbutoqué. C'est Maton Sensei, Kinda Sama. Son ventre dirait un Kinder surprise. Sous la douche, il voit même pas son manga là. Pour vider ses boules, à ce qu'il t'a la maîtrise. Je vais le dire à la maîtresse. Je t'ai vu avec Moby aux toilettes. T'avais les 2 doigts dans ses fesses. Et tu lui faisais des caresses. L'espace entre les 2 yeux. Je peux garer 2 Clio 2. Get le front de Kinda Sama. Je peux y faire cuire des œufs. Quand je te vois, je sais que t'es croyant. Moïse n'a pas séparé la mer en deux, mais t'es globoculaire. Je suis en gyro, je te décapite comme une lune sanguinaire. C'est ça. Chess, hey, c'est un génie incompris. On ne suit pas les règles. Ouais, hein? Les règles ne sont pas suivies. En plus, sur Instagram, on avait bien précisé dans le groupe. On a bien précisé qu'une personne. T'as paniqué? Donc rien que pour ça, c'est zéro. Gros? Donc rien que pour ça, c'est zéro. Gros? Moi, ça, zéro. Bah, il a pas suivi les règles. On s'était concerté. C'est les règles. C'est les règles. Il a pas suivi. En fait, on a dit une seule cible et tu parles de personne d'autre. Du coup. Lui, il a parlé de 2-3. Ah, les juges, moi, c'est une règle. Faut pas tuer les règles. Le tempo est lent, le tempo est al dente. Ennemi, on est venu pour vous laver. Trio de choc comme la MSN. C'est vous qu'on est venu prendre en MSN. Ça y en a marre de taille et toto sur les mêmes choses. Donc je vais changer de discours. Cette fois je vais hausser le niveau, mais ça va être compliqué pour lui vu qu'il est court. Non c'est bon, j'arrête de te faire sur ta taille, c'est promis, c'est fini. Je vais plutôt te faire sur tes jeans skinny. Il fait que de porter des habits serrés juste pour qu'on voit l'épaisseur de ses mollets. Mollets bien gros et dur comme une érection. Stago, je la saute comme à l'équitation. Et je vous laisse deviner pourquoi il est refusé quand il veut faire certains parcs d'attractions. Le poteau est chelou, écoutez bien ses sons. Ta go m'énerve, elle fait mal les sous-sons. Elle m'aspire le cou comme si je suis un glaçon. Bref, revenons à ton feu du Moyen-Âge. T'es mal les collants qui mèchent, je crois qu'il veut faire de l'escrime. Son corps ne va pas avec son visage. La façon du tissabi est un réel crime. Du coup, la prod, y en a pas.
Parce que je suis un grand homme. Quoi ? Qui est dans mon équipe. On va faire ça à capella comme à l'ancienne. Ok, un. Moby, tu parles de mon front, le tien il est balèze entre tes cheveux et tes sourcils à frontière. À la mer, ça se voit, t'es à l'aise vu comment tu surfes sur le buzz à ton frère. Pourquoi tu crois que Evan il t'invite à chaque feat? Moby, viens au studio, juste pour te laver sur le feat. Parce que oui. On a une conf sur WhatsApp et des voix, ils envoient leurs titres, tu vois. Evan, c'est lourd, mon gars. Moby, on attend les sous-titres. Ah, après, arrête, wesh. Les gars, wesh. Qui ne tente rien à rien. Moby, il a tenté, il a rien quand même, mais... Wesh. Wesh, tu veux faire des locks comme Lil Durk. Wesh. Messieurs, dames, je vous présente le nouveau rappeur français, Lil Burk. C'est lui. Tes locks, on dirait, sont timides. Tu crois que t'es chef kiff? Il m'a demandé mon avis sur sa coupe. J'ai dit chef kiff, ouais. Non. T'as eu? Wesh, wesh. Oh, t'as eu, on est une bonne team. J'aime bien l'ambiance. Mais t'as pas le niveau, on le sait, wesh. J'ai appelé Boccolini, tu sais, Laurence, parce qu'on a trouvé le maillon faible. T'aimes trop Evan? Tu danses avec lui, tu te frottes, là. Je sais, quand vous êtes seul, il a son zizi dans ta bouche et il touche ta glotte, là. T'as tellement pas de goût en DM, t'envoies des SMS à Miss Bongo. Aucun style, il vient au tournage en rouge et blanc. C'est toi le Père Noël du Congo? Attends, avant de commencer, là j'aimerais dire que mon texte je l'ai écrit il y a 2 minutes. Mais c'est bon. Pas de problème. Je voulais gagner des vues, je voulais tourner avec un mec plutôt connu de tout YouTube. Ils m'ont ramené moins bon, un mec appelé Loni, un Renoir sombre, grosse veux barre, mais c'est pas Caris. T'es tellement noir, personne veut toi comme un bonbon réglisse. J'avoue c'est chaud, dit comme ça, on dirait un peu, je suis raciste. Mais j'ai rien contre les couleurs, regarde ta meuf, c'est une très bonne métisse. D'ailleurs en parlant d'elle, t'es mis avec une tisse, mais t'es malade en fait. En couple avec une tisse, mais tu crois t'es le seul qui a la peps. J'avoue tu me fais un peu penser à Dumps. Sans l'argent, sans les CD, ta meuf est sans débardeur. Je l'ai soulevé, tu peux rien y changer, elle vient justifier. Attendez, je vous la refais. Bébé, s'il te plaît, arrête, tu pleures tout le temps. Il m'a sauvé que 10 fois, s'il te plaît, sois pas fâché. T'es sur YouTube, donc moi j'avais pas le choix. Essuie tes larmes, je peux pas t'aider, on a vidé les mouchoirs. Ok, attendez. Refrain. Ok. Ta petite copine est bonne, s'appelle Disha. Vu qu'elle veut mon bonbon, je l'appelle. Vas-y, chauffe un peu. Ta petite copine est bonne, s'appelle Disha. Vu qu'elle veut mon bonbon, je la surnomme Kendisha. Ta petite copine est bonne, s'appelle Disha. Vu qu'elle veut mon bonbon, je la surnomme Kendisha. Kendisha. Yo, on va pas mal. J'écris là, voilà, là. Là, vous avez mis le plus important. Merci. Oh gros mot les politiques, donc Kinda est gros, c'est politiquement correct. Il est aussi gracieux qu'une sirène en surpoids, on dirait Lady Boy de Phuket. Il est aussi gros que la quiche-tac, je me suis fait au Battle 4. Il achète ses sapes chez le pack 4, arrête les 4 cars, balèze comme 4-4. Y'a tellement de graisse qu'avec je peux faire 4 nattes. Hey. Ses cheveux en cascade, dit c'est fait Paul Scam, mi-femme, mi-homme. La légende raconte que ce couillon l'a foudroyé sans préservatif, mais quel condom. Il a pas d'oseille, mais il a mis enceinte, 0 euros, c'est le nom de tout groupe sanguin. Pour des sous sur OnlyFans, fan des mises en scène, tu te délègues, donc s'il te plaît, fais pas le sanguin. Hey. Hashtag libéré Kinda, ça mate dans sa graisse, il est emprisonné. Dans un bus bondé, Kinda ne rentre pas, mais bon, si c'est le cas, ça devient incarcéré. Ta petite sœur est déjà ménopausée, la pauvre, on appelle ça un game over. T'as le rire d'une chèvre et tu te fais tailler, donc on peut dire que t'es un bouc émissaire. Hey, malheureusement, toutes mes tentatives de régime sont soldées par un bide. La cyprine de ta sœur est tellement riche en matière grasse que j'ai encore pris du bide.
Hey, Kylian Mbappé a dit tu me parles pas d'âge. Kylian m'a dit tu me parles pas kilogramme. Gros porc quand il se fait mal au lieu de crier aïe comme tout le monde dit crie miam. Poulain, poulain. Attends, poulain, poulain, poulain. Je reprends là où je me suis arrêté. Ça va piquer quand mon chip comme un goéland. D'ailleurs, elle prend tout son temps. Gros, la goélante. Elle jouit en faisant des bruits de mouette. Mes mains moites dans sa fouf. Je la dogue sous la couette. Un australopithèque me regarde sur le tech. Il a dessin impec à la place de gros pec. Lundi, ta meuf, toujours sur le coron de la mec. Le vendredi, elle adore toucher les deux bouts d'un mec. Personne te cala comme le riglisse. À skip, je suis gros, mais toi, t'en fais des masses. Kinda, ça m'a ressemble à Mowgli. Mais bon, on n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace. Tago est venue me voir en bikini. Elle aime les meufs aussi. Du coup, c'est une bikini. Je suis un val qui rira bien qui rira. Le dernier avec ta sœur, c'est celui qu'a Valkyrie. Wow. Bah, je pense, du coup, ça veut dire qu'au total, on est sur une égalité parfaite. On avait dit qui tout double. Donc, franchement, ça se termine très bien. Ah bah vas-y, tout le monde, ouais, à l'aise. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'est incroyable ce qui s'est passé. Je sais pas du tout comment ça va rendre à l'écran. Vas-y, c'est maintenant, ça vous appartient, c'est à vous de juger. Merci à Kinda d'être venu, à Evan. Il a pas soulevé ma soeur, c'était pour le battle. Ouais, à l'aise, à l'aise. Ouais, du coup. Merci à Kinda d'être venu. Merci à Evan. Merci à Moby. Merci à Polska d'être venu, la prof. Oh, après, ouais, elle a bien fait, ouais. Elle a bien... Ouais, refais en fait. Non, allez, allez, tranquille. Non, allez, c'est bon, c'est bon. Ah, on doit la refaire, elle a pas bien fait. Merci à tout le monde d'être venu, merci. C'était incroyable. Les gars! Hein? Attends, s'il te plaît, est-ce que je peux faire la fin de tournage, s'il te plaît? Vas-y, let's go! Vas-y, let's go! Du coup, la Mifzer, c'est une fin de tournage! Ouais, là, voilà, c'est lourd!